Bonjour, moi, Om Sobat, guide francophone national du Cambodge, French speaking guy. Voilà, aujourd'hui c'est ma nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que je fais de vie? Donc je vous enseigne avec mon Nicolas, les recettes de la cuisine cambodgienne, du plat plus important du Cambodge est très très célèbre, le hamok Khmer, hamok de poisson. Donc maintenant, je vous explique et maintenant, je vous présente un petit peu mon petit potager que j'ai planté depuis 2 ans, là au quatrième étage ici de ma maison. Vous voyez bien, je vous montre comme j'ai déjà planté, donc les ingrédients pour faire pour faire ce plat, donc pour les recettes de ce plat, je vous présente petit à petit. Vous voyez avec moi là. Voilà Nicolas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Tu m'appelles Nicolas. Donc aujourd'hui, je fais Je fais la cuisine la cuisine avec papa. Très bien. Donc là, voilà. Là, tu me suis et moi je coupe. Donc je présente ce qu'on a pour les recettes, pour les ingrédients. Et toi, tu m'aides. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est le couteau suisse là. Donc pour les Suisses, ce sont mes clients qui m'ont donné là. Je suis désolé, je n'ai pas de couteau français ou de couteau belge comme ça. Alors, vous voyez bien là? Voilà, donc je vous présente. Oui? Ça, les lisons d'eau. Les lisons d'eau. Vous connaissez les lisons d'eau? Oui, ça sont les lisons d'eau. Mais pour faire un mot, on ne fait pas lisons d'eau. Mais qu'est-ce que c'est? Vous connaissez bien là, Nicolas? Tu descends? Là, vous connaissez? Là, vous connaissez? Là, oh, pardon, pardon, pardon. Ça gêne. Là, qu'est-ce que c'est là, vous voyez? Donc, ça, c'est la citronnelle. Ça sent bon, ça sent bon. Oui, tu vois, ça sent bon. Donc là, on a besoin de la citronnelle. Vous voyez bien, j'ai déjà planté. Donc maintenant, c'est bon là. Regarde, avec ma couteau suisse, c'est bien coupé. Donc, hop là. Pour. Hop, je dois couper trois tiges. Vous voyez? Trois tiges. Trois tiges là, et pour les feuilles je peux aussi enlever là quelques parce que sinon c'est long. Voilà Nicolas, là je peux laisser ici là. Donc c'est bon. Vous voyez ici c'est la feuille de lotus là, donc vous voyez je n'utilise pas le plastique là. Là Nicolas, tu continues. Voilà, ensuite vous voyez que c'est ça, c'est piment. Non non, c'est bon, c'est bon. Piment là, vous regardez, ça c'est piment, piment, piment. Donc je dois couper ici les piments. Donc vous, si vous aimez le plat un peu piquant, donc vous pouvez utiliser aussi les piments là, les piments verts. Vous pouvez ajouter après là. Mais moi j'aime un petit peu là. Surtout les Thaïlandais, les Mexicains et comme ça, les Indiens aiment bien les piments. Ensuite, ah qu'est-ce que c'est là? Et ici il n'y a pas de fruits. Je vous présente après là. Je vous dis après. Voilà. Vous connaissez là? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien? Tac! Ah, oh, il y a plein d'épines. Vous faites attention là, vous voyez, il y a plein d'épines. Ah, ça fait mal. Vous regardez. Là. Et je vous présente après. Je vous présente après là. Quel est le nom? Moi, comme je suis guide et je suis prof, donc comme j'aime bien, vous voyez là, comme j'aime bien les plantes, les arbres, c'est ça, moi je plante. Et ça s'appelle le citron combava. Citron combava là. Donc ce n'est pas. Allez, vous regardez bien là, je vous présente un petit peu la différence entre le citron normal, citron vert, comme vous voyez, au commence on appelle citron vert, et vous c'est citron jaune. Vous regardez bien là. Vous regardez bien la différence entre citron combava et citron normal. Là, vous voyez, ici il y a deux parties là, ça. Il y a deux parties là.
Et vous voyez, normalement, citron Combaba, ça sent très bon là. Et ça, c'est citron normal, citron vert. Donc au Cambodge, on appelle citron vert. Donc ça, ça sent pas bon. Ça, au Cambodge, on n'utilise pas. Mais on utilise citron Combaba. Vous voyez là. Donc il y a des épines, vous faites attention. Et il y a aussi des fruits. Mais moi, comme je viens de planter, donc il n'y a pas encore de fruits. Voilà, j'attends aussi des fruits. Voilà, j'ai encore des piments là. Viens bien. Toutou, toutou, des piments là. Si vous aimez des piments comme les Canadiens, comme les Mexicains, comme les Thaïlandais, comme ça vous pouvez mettre beaucoup de piments. Mais moi juste quelques, ça suffit là. Sinon, hop. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est, vous voyez, là? Selon vous connaissez ça? C'est le goyave. Nicolas, viens ici, Madé, s'il te plaît. Donc ça c'est, tu vois, ça c'est le goyave. Goyave, oui, mais il n'y a pas encore de fruits. Malheureusement, j'ai planté un an, mais pas encore de fruits. Là, ensuite, ah, ça, qu'est-ce que c'est là? Les menthes. Là, oh, ça sent bon. Oui, là, ça sent bon, toi? Oui ou non? Oui. 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 Très bien. Voilà, on peut mettre ici. Ah, alors, regardez, là, maintenant, je trouve. Qu'est-ce que je trouve? Oui, là, vous voyez les feuilles. Donc, je trouve. Hop, je dois couper, là. Là, je dois couper. Hop, là. Là, là, là. Voilà, ça. Hop, voilà, ça. Qu'est-ce que c'est, là? Ici, normalement. Ça, qu'est-ce que vous connaissez? Ça. Donc, ça, on dit. Le safran des Indes. Le safran des Indes, là. Donc, vous faites attention parce que il y a beaucoup de safran. Si vous prononcez pas bien aussi, vous dites juste le safran, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de variétés de safran. Donc vous devez appeler bien safran des Indes, là. Donc ça c'est très bon pour la santé. Vous pouvez boire comme du thé là. J'ai accompagné un Indien et il a bu du safran comme du thé. Ça c'est très bon pour l'estomac. Si vous voulez, un jour, je peux vous dire quelques médecines naturelles du Cambodge. Et là, ensuite, là, vous voyez les feuilles? Et ça, c'est galanga. Vous voyez, c'est comme gingembre. Mais ça sent différent, là, comme ça. Et on ne peut pas faire la cuisine, mais on peut couper un petit peu de morceaux pour l'odeur, là, de hameau. Ensuite, ensuite, ah, qu'est-ce que c'est? Nicolas, tu es là. Hop, ta, ton. Ensuite, voilà, qu'est-ce que c'est? Mon fruit, là. Hop, j'ai planté il y a un an, mais maintenant, il y a quelques fruits, là. Hop, voilà. Et qu'est-ce que c'est, là? Là, toi. Ça, vous connaissez les feuilles, là, les feuilles aussi. C'est acide. Nicolas, viens. Viens. C'est acide là, comme ça. Et qu'est-ce que Nicolas fait là? Hop, vous voyez? Les Cambodgiens, hop. C'est vachement bon là. C'est vachement. C'est C'est vachement vraiment bon. bon. C'est vachement bon là, comme ça. Viens, hop. Ah. Ah. Encore une fois, c'est vachement bon. C'est très très bon. C'est vachement bon là. Hop. Ça, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez le nom? Ça s'appelle pomme citéréare. Pomme citéréare. Parce que c'est un peu acide. Et comme et quand c'est grand, c'est un peu ovale. C'est ça, les Français donnent toujours la pomme. Quand on ne connaît pas le nom, quand les Français ne connaissent pas les noms botanistes, donc, et moi aussi, si je connais le nom normal, c'est pas la peine de vous parler les noms botanistes. On appelle pomme citerea. Non, mange, c'est un peu acide, mais c'est bon là. C'est vachement bon là. Les. Hop, c'est vachement bon. C'est. Plus fort, c'est vachement bon. Les feuilles, on peut faire aussi la cuisine là, comme ça. À la place du citron,
Là, on mange aussi, là. Et lui, il aime bien. Nicolas, il aime bien. Ça, c'est petit Nicolas du Cambodge. Comparé... toi. Comme... comme petit Nicolas en France. Voilà, ça, c'est pomme citerea. Ensuite, je vous présente un petit peu aussi, là, vous voyez. Ça, c'est... pomme cannelle. Pomme cannelle, mais je suis désolé. Il n'y a pas encore de fruits, il n'y a que des fleurs là. Et ensuite, là, le nom là, si je ne me trompe pas, c'est Pandanus acidus. Là, Pandanus acidus, le nom botaniste. Mais il n'y a pas encore de fruits. Ensuite, vous voyez là, par exemple, ça, puis ça c'est encore piment. Et ça, vous voyez bien, aloe vera. Voilà, ensuite. Ensuite, non Nicolas, c'est bon, là, sinon c'est tout, il n'y en a plus. Fini, fini, sinon il n'y en a plus pour moi, pour ta mère. Toi, tu aimes bien. Ensuite, voilà, ici, vous voyez, un petit peu là, ça, donc, vous voyez, hop, qu'est-ce que c'est là? Vous connaissez la feuille, comme ça. Ça semble aussi, qu'est-ce que c'est là, vous voyez? Vous voyez bien, qu'est-ce que je plante là? Voilà, ça c'est gingembre. Voilà, je sais que les Français, ou vous, les francophones, aiment bien les gingembre. Donc, gingembre, c'est. On peut par exemple faire sauter du poulet au gingembre ou bœuf au gingembre. Ça c'est très très bon, c'est vachement bon là, ça. Mais moi, je ne fais pas encore. Je fais après pour les recettes au gingembre. Gingembre, c'est très bon aussi pour la santé quand vous avez mal à la gorge. Avec du citron vert. Comme ça, donc ça, c'est bon, gingembre. Et là, vous connaissez bien, là, donc ça, c'est aloe vera. Ah oui, donc j'ai besoin aussi des feuilles des épinards, là, ça. Hop. Pour ma recette, j'ai besoin aussi des feuilles des épinards, comme j'ai déjà planté, là, ça. Hop. Ça, c'est tout petit. Voilà, donc ça, ce que j'ai besoin pour mes recettes. Ce que j'ai besoin pour mes recettes de hamok. Hamok de poisson au Cambodge. Nicolas, venez Nicolas. Sinon tu manges tout là. Et je ne peux pas faire la cuisine. Stop. Voilà. Merci beaucoup. Ça, juste tout d'abord, je vous présente. Maintenant. Allez, on continue. Voilà, s'il vous plaît. Je vous dis, s'il vous plaît, maintenant je vous explique comment les recettes. Donc, on a, sinon c'est pour la deuxième vidéo. Pardon, pour la deuxième vidéo, je vous explique les recettes, comment on fait un mok de poisson de la tête à serpent. Vous savez, ce poisson là, vous voyez bien, là. Ça, ce sont des filets. On appelle des filets de poisson à tête de serpent. Donc, pour la deuxième partie, je vous présente les recettes et on va faire la cuisine ensemble. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour. Donc, on continue maintenant pour les recettes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on utilise les recettes pour un mok de poisson? Voilà, vous voyez bien, je pense que vous connaissez bien là. Coucou! Les Français ou les francophones, vous connaissez bien le monsieur le plus célèbre en France ou au monde, là, je peux dire là. C'est le meilleur chef de cuisinier au monde. Et donc, il s'appelle comment? Vous savez, les enfants ou les francophones, il s'appelle comment là? Donc, il s'appelle Paul Bocuse, Paul Bocuse, voilà monsieur Paul Bocuse. Donc j'aime bien là monsieur Paul Bocuse. Je regarde aussi de temps en temps ce qu'il a fait la cuisine là, comme ça. Donc moi je ne dis pas moi je suis Paul Bocuse au Cambodge, mais moi je m'appelle Om Sovat 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 Git. French speaking guy. Mais vous savez, j'aime bien aussi faire la cuisine depuis la jeunesse. J'ai aidé ma famille. Donc, je peux faire aussi pas mal de cuisine, des autres plats. Je connais aussi des recettes
important là, quand j'ai accompagné mes clients, j'ai aussi enseigné mes clients là pour faire par exemple un mock, pour faire cuisine de un mock de poisson là, ou des autres par exemple poisson Coca-Cola poulet au Coca-Cola. Vous voyez bien là. Donc j'ai ça maintenant, j'ai un ami en France, elle s'appelle Irène. Donc elle a déjà fait un mock de poulet, parce que comme en France il n'y a pas beaucoup de poissons, mais vous pouvez faire aussi un mock de poisson. Un mock on peut faire avec beaucoup de viande. Donc un mock de poisson, mais spécial au Cambodge, un mock c'est un plat spécial du Cambodge. Donc un mock de poisson. Et le poisson, comment ça s'appelle? Vous voyez bien le poisson? Comment ça s'appelle? Je vous montre là, ça, le serpent. Ah non, le serpent, pardon. Le poisson à tête de serpent. C'est pour ça que je vous dis poisson. C'est pour ça que je vous dis le serpent. C'est pas le serpent. Ça, c'est un poisson au Cambodge, très célèbre. Tout le monde connaît bien. Quand vous serez au Cambodge, vous pouvez voir. Alors, on appelle poisson à tête de serpent. Parce que vous voyez, la tête, c'est comme le serpent. Mais le mot botaniste, le mot scientifique, ça s'appelle le chana. Il y a aussi quelques variétés de ce poisson. Donc c'est vachement bon là, ce poisson. C'est pour ça aujourd'hui, donc comme je dis, ça va être fait un mock de poisson, un mock de crabe, un mock d'escargot, un mock de poulet, un mock de bœuf, un mock de porc, comme vous voulez. Mais premier plat spécial au Cambodge, on a par exemple on fait le concours en Thaïlande avec des autres pays, on a gagné le premier plat du Cambodge. Très très bon, vachement bon là, comme ça. Donc ça veut dire ça, aujourd'hui je vous montre comment on fait un mock de poisson. Poisson à tête de serpent ou poisson de chana. Voilà, très bien. Donc vous voyez bien maintenant, je vous montre. Vous voyez bien là, hop, allez, vous regardez. Maintenant, je vous montre les recettes. Comment on fait pour préparer un mock de poisson. Vous regardez bien, là. Ça, c'est, j'ai déjà coupé. Donc, ça, c'est du poisson à tête de serpent. Les filets, ce sont les filets, là. Ce poisson, il y a aussi pas mal d'arêtes. Mais chez vous, si vous n'avez pas de ce poisson, vous pouvez trouver des autres poissons, là, de la mer. Je n'ai pas beaucoup de connaissances des autres poissons de la mer, mais ça, ou sinon comme je vous ai dit, ça peut être poulet ou porc, comme ça, quel viande que vous préférez, ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est filet. Donc vous voyez, j'utilise la feuille de bananier parce que je n'aime pas trop de plastique. Vous voyez là, donc ça c'est les filets de poisson à tête de serpent. Ensuite, vous regardez bien là, donc ça c'est bon là, vous voyez, citronnelle comme j'avais planté là, donc trois tiges de citronnelle là, comme ça, citronnelle ça sent bon et ça c'est bon pour la santé. Et ça vous connaissez bien, là vous pouvez mettre comme ça trois quartiers là comme ça d'ail, vous voyez, hop, ou quatre comme vous voulez. Ensuite, vous voyez ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est le curcuma. Oui, normalement il y a deux noms là, le curcuma domestica ou le curcuma des Andes. Donc vous devez utiliser ce mot bien là. Je ne dis pas, je suis un vrai botaniste, mais comme j'aime bien les plantes, c'est pour ça que je connais pas mal de noms scientifiques là. Donc curcuma domestica ou curcuma des Andes, ça aussi c'est très bon, c'est très important pour la santé. Et ça vous connaissez bien. Les échalotes, vous voyez, comme ça, ça suffit. Ensuite, vous voyez là, ça c'est galanga. Donc galanga c'est comme gingembre, mais c'est pas pareil. C'est la famille, là, galanga. Et ensuite, là, vous voyez bien, j'ai déjà dit, donc les feuilles de citron kombava. Vous voyez là, si vous connaissez pas, je montre aussi le fruit. Vous regardez là, vous regardez bien. Là, ma photo, vous voyez bien, parce que comme ma plante, il n'y a pas encore de fruits. Vous regardez bien là, ça. Ça, c'est le fruit de citron kombava.
C'est la famille de citron, c'est ça qu'on appelle citron comme baba. Et les feuilles, là. Donc, on peut utiliser les deux, là. Les feuilles ou la peau. La peau du citron comme baba. Ça sent très bon, là. Ça sent très bon. Donc, là, on peut mettre aussi, là, pour les ingrédients, la peau de citron comme baba. Mais ici, comme je n'en ai pas, j'utilise juste les feuilles, là. Et comme je vous ai dit, là, donc les feuilles de citron comme baba. Et citron normal, c'est pas pareil là. Vous voyez là. Voilà, très bien, je continue, s'il vous plaît. Donc maintenant, vous regardez là. Ensuite, là, vous regardez, ça c'est du lait de coco. Comme chez vous, il n'y a pas de lait de coco frais. Donc vous pouvez acheter au supermarché ou chez les Chinois. Là, du lait de coco dans la bouteille, mais ici chez nous, vous voyez là, ça c'est la noix de coco mûre, donc j'ai déjà fait, et hop, et après je fais du lait de coco frais, là, vous voyez bien là, ça, frais. Ça c'est important, parce qu'après ça sent bon et ça donne le goût là. Ensuite, vous voyez les feuilles des épinards, voilà, vous voyez bien là, les feuilles des épinards, ça c'est bon, on met ici, donc c'est comme un petit peu de légumes, et ensuite ça sent bon et ça donne aussi le goût. Et là, vous voyez là, ça, oui, ça, vous voyez bien, ça, je fais avec la feuille de bananier. Normalement, on peut faire aussi avec la feuille de lotus, mais la feuille de lotus, c'est difficile à préparer, là, comme ça. Donc, après, je mets dans le petit bol. Mais comme chez vous, comme il n'y a pas de feuille de bananier frais, comme ça, vous pouvez mettre dans votre bol, là, comme ça, pour faire cuire. Oui, vous voyez là, hop, j'ai fait. Donc, maintenant, je fais trois pour vous, là, ça. Hop. Parce que je fais juste pour trois personnes. Ensuite, vous voyez là, ensuite. Donc, du sucre, vous voyez. Du sucre, vous mettez combien? Donc, du sucre, vous mettez du sucre. Chez vous, est-ce que normalement au Cambodge, il y a deux sortes de sucre? Vous voyez bien, ça, c'est du sucre de palmier à sucre. Et ça, c'est du sucre blanche. Donc, normalement, comme vous voulez, si vous voulez un peu sucré ou un peu moins sucré, vous voyez. Normalement, pour mes recettes, donc vous mettez là, vous voyez combien là? Donc, ici les deux, 13 ou 12 là, 13 ou 12 de cuir à café, là, vous voyez là, hop là. Mais ensuite, là, ça, je pense, chez vous, vous n'utilisez pas beaucoup, vous ne connaissez pas. Mais ça, chez les Chinois ou en Asiatique, on appelle glutamate de sodium. Quelquefois je mets, quelquefois je ne mets pas. Quelquefois c'est pas très bon pour la santé, mais ça donne aussi le goût là. Et ça, ensuite, là, vous pouvez mettre un petit peu juste là, ou sinon, c'est pas la peine de mettre. Ensuite, ça c'est du sel. Du sel, donc vous mettez juste un demi de cuillère à café là. Hop. Vous voyez, là, ça suffit. Hop là. Et ensuite, ça c'est comme aussi Knorr. Vous connaissez chez vous la Knorr là. Knorr, normalement, ça vient de la Thaïlande là. Donc Knorr, vous mettez aussi là un petit peu comme ça. Et avec du sel. Ensuite, là, vous voyez, sauce nokmam. La sauce nokmam, on appelle aussi la sauce de poisson là. La sauce de poisson, on utilise aussi beaucoup parce que chez vous n'avez pas de. Vous n'avez pas de poisson fermenté, vous n'avez pas de crevettes fermentées, vous voyez là. Donc chez vous, je pense que vous avez, là, ça vient de la Thaïlande, avec les calamars, là, comme ça, sauce. Donc, mais ça, on met aussi un peu beaucoup, là. Vous mettez, là, combien de cuillères sucre? Oh, pardon, je me trompe un petit peu, là. Mais ça, bah, pour la sauce de poisson, au Nokmam, vous mettez, là, 15. 15 cuillères à café, là, comme ça, vous voyez, 15. Là, mais du sucre, pardon, du sucre, vous mettez juste là 2, là, si vous en avez, et là, sucre blanche, aussi 2, ou 2, 2, ou 2 et demi, ou 2 et demi. Sinon, si vous n'avez pas de sucre de palmier à sucre, vous mettez juste du sucre blanc, 5 ou 6, là, ça dépend de vous. Vous aimez un petit peu sucré ou non. Pardon, je fais une petite faute, donc personne n'est parfait, pardon. Je ne suis pas comme
Paul, because, parce que lui, il n'a pas de faute, pardon. Ensuite, pour donner la couleur, comme ça, vous voyez, ça aussi, les feuilles, on garde encore les feuilles de citron Combava. Et là, ça, c'est poivron rouge. Ça, c'est pour la couleur. Très bien. Voilà. Maintenant, comme j'ai déjà fait, donc je fais pour vous là, ça. Et ensuite, vous n'oubliez pas aussi, ça, on appelle, au Cambodge, on appelle comment? Ça c'est un peu piquant là. On appelle poivron rouge séché. Ça peut-être vous pouvez acheter au magasin chinois là, ça. Donc mais aussi un petit peu comme ça, vous voyez là. Si, mais si vous aimez un peu plus piquant, donc vous pouvez mettre comme ça deux ou trois fois. Mais moi juste une fois là. Ensuite j'ai haché là et je fais comme ça, vous voyez là. Hop, bon. Voilà. Vous voyez bien, pilé. Voilà, vous avez fait la cuisine. Là, normalement, faire la cuisine, c'est comme une activité amusante là. Mais quelquefois, les femmes ne voulaient pas, ou les hommes ne voulaient pas, mais quelquefois, pour la famille, si on peut faire la cuisine tous les deux, ça c'est très bon. Mais moi, comme j'aime faire la cuisine, quelquefois, ma femme, elle peut dormir, là. Elle peut faire la sieste. Elle n'est pas paresseuse, mais elle est aussi contente quand je peux faire la cuisine. Donc dans la famille, on est toujours content, là. On a toujours le bonheur. Parce que si on, quelquefois, on peut faire les deux, là, comme ça. Toc, 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 toc. Donc vous faites comme ça, mais comme vous voulez, là, si vous n'avez pas de filet, par exemple pour faire le jus, vous pouvez utiliser une petite machine là comme ça. Toc, 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 toc. Voilà. Mais normalement il faut, ça dépend de vous, il faut 10 minutes là comme ça ou 15 minutes pour piler. Hop. Voilà, ça sent très bon. Ça sent très bon, citronnelle et tout. Voilà, tout d'abord je mets là comme ça pour mélanger. Vous voyez bien, hop, c'est un peu rouge avec un peu jaune avec la couleur de curcuma domestica et poivron séché. Voilà. Voilà, première chose, vous mettez comme ça. Ensuite, vous voyez bien. Voilà, et je mets, vous voyez, du lait. Donc du lait, vous voyez, un petit bol comme ça, là, du lait. Comme vous voulez, un petit peu plus, un demi ou c'est plein, là, comme ça. Hop. Voilà, je mélange. Ensuite, là, un œuf, vous voyez là. Un œuf de poule. Vous voyez, un œuf de poule, pas un œuf de canne. Un œuf de poule, vous voyez là. Et après, je mets et après, ça roule ma poule. Bla 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 bla. Je vous demande toujours de m'excuser parce que j'aime bien des expressions là. Toc, 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 toc. Donc, vous voyez bien. Un œuf de poule. Hop, maintenant, je mets et ça roule ma poule. Voilà. Hop, fini. Voilà, et les mains, j'ai déjà lavé là. Et ici, normalement. Maman, n'y a pas de Covid et c'est ça, je mets pas de gants ou je mets pas de masque. Je suis au quatrième étage. Covid ne peut pas monter jusqu'ici. Voilà, ensuite, vous regardez là, comme ça. Donc, vous voyez, je mets tout d'abord sauce de poisson ou nokmam là. Donc, je mets, vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13. Ça dépend de vous. Si vous aimez, je pense chez vous, pour les Français, pour les Belges, pour les Suisses, et comme ça, les francophones, peut-être vous n'aimez pas trop salé. Là. Mais nous, les Cambodgiens, comme on mange des poissons fermentés, donc peut-être un petit peu salé, nous, chez nous. Voilà, et ça c'est du sel, vous voyez bien. Donc du sel, comme je vous ai dit, juste là. Hop. Parce qu'on n'a déjà mis beaucoup de
beaucoup de sauce de nos mâmes, donc juste là, un demi, tac, tac, là. Sinon, c'est trop salé. Voilà, ensuite, là, ça c'est knorr, vous voyez là, hop, un demi aussi. Très bien. Voilà, ça, donc ça c'est, vous voyez, sucre de palmier à sucre. En France, peut-être vous pouvez trouver aussi dans les magasins chinois, là. Ça, au Cambodge, c'est très important, là. Un jour, je vais, donc ça fait, je vais vous montrer aussi, là, le sucre de palmier à sucre au Cambodge. Donc, je mets deux, voilà. Hop, parce que je n'aime pas aussi trop sucré, là. Et là, ensuite, sucre blanche. Sucre blanche, vous voyez bien, donc deux aussi. Hein? Hop, deux, voilà. Et comme ma femme, elle veut bien un bon goût, elle veut dire comme là, vachement bon, comme Nicolas a déjà dit, donc je mets un petit peu de glutamate de sodium, là. Ça, en Asie, au japonais, ça, ça vient du Japon, là, pour la cuisine chinoise, ou comme ça, on utilise. Ensuite, là, vous voyez bien, je mets. Regardez. Les filets de poisson. De poisson à tête de serpent. Moi, normalement, j'ai pas du serpent, mais là, poisson à tête de serpent, c'est bon, pas de problème. Là. Tac. Tac. Vous regardez, voilà. Même la couleur est très bonne. Ça sent bon là, vous voyez. Hop. Je vous conseille aussi, par exemple chez vous, comme vous avez des crevettes par exemple, ou crabes, ou calamars, les fruits de mer, vous pouvez là, ça, chez vous, essayer un moc de crabe ou un moc de crabe, de crevettes, de calamars. De calmar ou de poisson, par exemple, vous pouvez faire aussi de poisson chez vous, des capes, vous pouvez manger ou non? Voilà, vous faites comme ça, mélanger, là, hop, pour avoir un bon goût. Et maintenant, je suis l'élève maintenant de Paul Bocuse. Voilà, donc quand vous serez au Cambodge, là, un jour, ou si vous voulez faire la cuisine, vous pouvez me contacter. Et moi, comme je suis un guide, donc là, ma maison, si vous voulez bien, habiter ou savoir bien la situation de la famille, chez une famille, comme ça, vous pouvez me contacter. Ma maison, on a une chambre libre et pour vous accueillir là comme ça et vous payez et peut-être pas cher, moins cher que l'hôtel là, vous voyez là, hop. Et ensuite je peux vous enseigner aussi à faire la cuisine. Ensuite je peux vous accompagner à visiter tout le Cambodge, comme je suis guide et chauffeur, je vais tout là maintenant. Moi on dit, vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, chez vous, vous dites, si vous avez beaucoup de travail à faire, là, vous dites, vous n'avez pas de quatre bras, là. Vous n'avez pas quatre bras. Je n'ai pas quatre bras, là, comme ça. Et au Cambodge, qu'est-ce que je dis au Cambodge? Je dis, je ne suis pas Brahma. Je ne suis pas Shiva. Je ne suis pas Shiva. Je ne suis pas Shiva. Vous savez, Shiva? Shiva, le dieu de l'hindouisme. Le dieu de l'hindouisme là, et Shiva, vous savez, au Cambodge, quand vous serez au Cambodge, ou mes clients, quand ils ont déjà visité le Cambodge, donc, ils ont su déjà, Shiva, il a combien de bras au musée national à Phnom Penh, là, donc Shiva, il a, j'ai vu une statue de Shiva de notre époque, là, à l'époque, il a 18 bras, voilà. Donc, vous voyez, moi, au Cambodge, on dit, je ne suis pas Shiva, donc je n'ai pas beaucoup de bras pour travailler toutes les choses. Mais en France, il y a aussi une petite entreprise qui s'appelle
Shiva, vous voyez? Si vous avez, si vous voulez déménager et comme ça, vous pouvez contacter l'entreprise en France qui s'appelle Shiva pour le déménagement. Hop. Donc je fais juste trois pour la famille et juste pour vous montrer. Tac, tac, tac. Et on va goûter ensemble après. Ça sera vachement bon là, comme ça. Donc je mets tout alors comme ça. Vous voyez bien? Ça l'est bon alors. Hop, vous pouvez essayer après. Voilà. Ça, vous voyez, ça c'est pour trois personnes, ce que je fais. Hop, ou pour deux personnes. Tac, 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 tac. Voilà, maintenant, vous regardez bien, maintenant, hop, vous voyez, donc maintenant, ça, on doit cuire maintenant, vous regardez, là, donc, ici, vous regardez bien, là, on doit cuire à vapeur, vous voyez bien, là, ça, parce que là, ça, c'est bon, ça ne perd pas le goût, donc, attends, vous pouvez cuire pendant 20 minutes et ça sera cuit. Voilà, vous regardez bien. Pardon, parce que ma marmite n'est pas assez grande pour trois. Attends, je peux essayer encore une fois. Ah non, pardon. Voilà, donc juste deux là. Donc, désolé, juste pour manger, juste moi et ma femme et mes enfants, ils ne peuvent pas manger. Donc, je peux manger juste moi, comme c'est vachement bon, ça sera vachement bon. Donc, je dois manger tout avec ma femme. Et Nicolas, peut-être il n'a pas de temps ou il ne peut pas manger. Hop, voilà. Hop, fait cuit à vapeur, regardez bien. Top. Donc, pendant 20 minutes. Et après, là, bonjour à tout le monde. Bienvenue chez mon channel Home Sauvat. Donc, vous voyez, après le travail pendant presque toute la journée, là, pour préparer, non, pour nettoyer la maison, pour chercher des ingrédients citronnels comme ça. Donc, maintenant, ça y est, là. Maintenant, vous voyez? Donc, maintenant, ça y est. Donc, c'est prêt. C'est déjà prêt. Donc maintenant on peut goûter ensemble. Vous voyez là? Donc, on va goûter là. Donc, comme je suis fatigué, et ça c'est comme un grand repas, peut-être comme chez vous là pendant le Noël et comme ça. Donc ça c'est un bon repas, c'est un plat typique au Cambodge. C'est comme dindon chez vous pendant le Noël. Donc maintenant, je vais dire quelques expressions typiques là. Est-ce que oui, comme je crève la dalle là. Bon, donc pas bien, j'ai pas mangé depuis quelques heures pour préparer. Bon, maintenant ici au Cambodge, il est presque 7 heures là. Donc comme j'ai préparé longtemps pour un mock de poisson. Donc maintenant, je crève la dalle. Donc c'est ça, oui, c'est bon là. Donc je pense que c'est vachement bon là. Donc vous voulez faire la chouille avec moi là. Vous êtes les jeunes, comme on dit là en France, on fait la chouille. Voilà, vous voyez bien, ça c'est mon vin. Là, hop, et comme mon vin là, vous voyez, c'est comme mon vin. Et vin blanc de Bordeaux là, ça. Donc on fait la chouille maintenant. Mais la chouille, peut-être beaucoup de Français ne connaissent pas ce mot. Surtout pour les jeunes, on fait la chouille. On mange bien et on boit, on danse comme ça. Mais vous pouvez dire, vous, est-ce que vous voulez manger ici le puce ou vous voulez faire ripaille? Donc, comme vous voulez, donc là, avec Amok et avec le vin, maintenant nous, avec Nicolas, on fait ripaille. On fait ripaille, les gars. Man.
Nicolas, hop. Moi, je commence avant toi parce que moi, c'est le papa. Tu vois? Oh. Voilà. Hop. Je mange. Je graille. Je bouffe. Ah, allez. C'est un peu chaud là. Non, pardon, pardon, c'est un peu chaud. Nicolas, c'est vachement bon. C'est vachement bon. Voilà, encore une fois, c'est vachement bon là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc, vous voyez là, un mok, c'est très bon. Donc, c'est un plat très délicieux au Cambodge. Vachement bon là. Voilà, donc on fait la souille, mon Nicolas. Oh non, non, on fait la souille, Nicolas. Donc, on fait ripaille. Tu vois, tu manges encore? Allez, tu continues. Tu continues là, c'est bon? Tu vois? C'est vachement bon là. C'est vachement bon. La souille. On fait la souille ensemble. Voilà. Hop, allez. Voilà, merci beaucoup, s'il vous plaît. Donc, je vous remercie beaucoup de suivre ma vidéo là pour les recettes de hamok de poisson à tête de serpent ou de chana là depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, je vous remercie infiniment là pour suivre et pour vous abonner et pour partager. Ma chaîne là à tout le monde, et comme je vous dis là, donc un jour, si vous voulez vous pourrez visiter le Cambodge un jour après le Covid, donc vous n'oubliez pas de me contacter par mon channel YouTube ou par mon adresse mail gmail. Donc sinon avec mon téléphone portable plus 800 855 92 85 52 et 55, et sinon vous pouvez aussi venir habiter chez moi là. J'ai une chambre, comme je vous dis là, une chambre raisonnable pour vous, donc vous pouvez rester. Comme je suis guide et je suis guide et je suis chauffeur, donc je peux faire les deux. Et par exemple, si vous voulez habiter chez les gens, chez les habitants, donc vous pouvez dormir chez moi. Et je pense que c'est pas cher par rapport à l'hôtel ou au guest house. Ensuite, je vous enseigne à faire la cuisine. Voilà, ici c'est comme la maison des cours de la cuisine. Donc comme je dis, je suis maintenant je peux être là élève de Paul Maucuse. Si je prononce bien là, pardon, si maintenant. Merci beaucoup, à bientôt.